Enchanté. Vous me reconnaissez? Je suis Jean-François Champollion. Je vais vous raconter comment mon nom est entré dans la postérité en déchiffrant les hiéroglyphes. Mais non, Jean-François, t'es pas là pour parler de toi. T'es là pour nous présenter la BNR de l'Isère. Ah oui, autant pour moi. Allons jeter un œil en Isère. Tout le monde va où c'est? Ah non. Personne. Bon. Reprenons depuis le début. Vous situez la Terre? L'Europe? La France? Eh bien, l'Isère, c'est là. Et moi, je suis là. Je serai votre guide. Allez, suivez-moi. Ici, on cherche à travailler différemment. En groupe. C'est un lieu d'accueil, ouvert et mutualisé, permettant l'observation, l'immersion, la co-construction et l'expérimentation. On utilise différents outils, créatifs et innovants, pour accompagner les projets des bibliothèques du département. Voici quelques exemples. Le design thinking, le Lego Serious Play, le fonds professionnel, des jeux d'inclusion. Après une courte page de réclame, retrouvez-moi sur la toile. Voici le dispositif révolutionnaire, la mash-up table. Vous connaissiez la table à manger, la table à repasser, la table à langer. Vous connaîtrez maintenant la table à monter. Elle vous permettra de devenir un réalisateur, un chef monteur, un scénariste, un ingénieur du son, sans rien y connaître. C'est magique, c'est facile, c'est la mash-up table. Une production française. Sont à la disposition des bibliothèques du département de l'Isère des ressources numériques, à savoir du cinéma de fiction, des albums jeunesse, de la littérature classique, du spectacle classique, de la littérature contemporaine, du cinéma documentaire, de la presse, et de la musique. Mais vous allez où comme ça? C'est pas terminé. Je vous ai pas encore présenté le portail. Bah non, pas ce portail là. La NDI est heureuse de présenter son nouveau portail. Les 300 bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants ont accès gratuitement aux ressources physiques et numériques de la NDI et auront prochainement accès à un catalogue départemental collectif. La médiathèque départementale de l'Isère, c'est aussi, mais pas que, la prévention enfant-écran, la réalité virtuelle des salons numériques en partenariat avec des prisons, opening, un kit sonomobile, de la robotique, public des clics, des kits numériques, cinéma, Lego Serious Play, éducation à l'image, des jeux vidéo, happy hour, lutte contre l'illettrisme, un escape game, de la programmation des jeux, une borne short édition, de la formation, etc. En ce qui me concerne, retrouvez-moi dans toutes les bibliothèques de l'Isère, dans mon propre escape game, Mystère chez Champollion.